Bon, on va passer à la transformation de l'aquarium en serre. On va commencer par mettre le carton. Passer l'huile carton. Ouais, là ça va, ça suffit pour le carton. Bon, maintenant les bois, les gros morceaux. Non, fumier de cheval. Oh, ça pue. Oh, là, ça alors, il n'y a qu'à prendre le petit sac là. Non, non, ça là. Quoi ça? Là, ouais. Un sac vide. On voit le sac. Bon, on rajoute un petit peu de carton. Cali, t'es tôt. Bon, un arrosoir d'eau. Ah, je suis pas allé là, en fait, tu es. Ah, on va manger les cartons. Non, Orion. Quoi? On passe les cartons. Le mieux, attends, on va pas s'emmerder avec l'arrosoir. Il va aller ouvrir le tuyau là-bas.
Oh, trop bien. Pas mieux, oui. Tiens, c'est pas ça là. Ouais. Ah oui. Par la magie de Jésus-Christ, on va le fumer. Hein? De toute façon, on va le mettre au fumé. On met de l'eau d'abord. Bon, un petit peu d'eau pour un petit peu d'eau parce que c'est bien sec. Voilà, tu peux aller couper. Maintenant, un petit peu de fumier de cheval. Là, si les tomates poussent pas, il y a un problème. Voilà. Là, le terreau. Ceux qui sont en dessous, là. Pas celui qui est sur le dessus. Eh bah tout le monde se couche à deux et moi je le reprends. Ouais. Un deuxième sac. Oui. Et mon nutritif, ouais. Toute plantation. D'accord, c'est un fertilisant. Voilà. Ok, on va en mettre la moitié d'un sac. Ça va pousser. Hein? Pas là. Quoi? Putain, ça pousse. Ah, ça sent là, le gars. Oh, ça pousse, c'est hein? Pas de ouais. Ah, c'est bon. Bon. On va rajouter un sac de terreau par-dessus. Oh, t'as des belles mains, tu vois. Oh, bah dis donc. C'est ta terre, là. On tue le sac. Ouais, ouais. Thank you.
Bon, et bien maintenant, on va semer les tomates. Et attends, tu mets... Voilà, on met un peu d'eau avant de semer les graines de tomates. C'est bon, Orion, tu peux couper. Coupe, Orion. C'est bon. On va semer les tomates ananas. Il y a 50 graines à semer. Pour finir, oh, tu mets un centimètre, c'est bon, hein. C'est pas beaucoup. Hein. Faut pas beaucoup, hein. Un centimètre de terreau sur les graines qu'on a mises. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Donc là, on voit bien les différentes épaisseurs, le carton, le bois. Ensuite, les aiguilles de pin, de nouveau le carton, le fumier, première couche de terreau, deuxième couche d'algues, et après du terreau par-dessus. Regardez tout au bout là-bas, vous voyez les petits trous. Derrière, c'était l'appareillage de filtration, et moi je vais en faire un mini composteur. Ce qui fait que la nutrition se fera par les petits trous qui se trouvent au fond. En mettant un peu d'eau sur le compost au fur et à mesure, la nutrition passera directement dans la terre.